Oh non, pas les QTE. Putain, Tyler, on lui file toutes les QTE pourries, quoi. Basket, danse. Oh là là, ça dure 3 heures. Je vais pas tenir trop longtemps. Je vais mourir. Le champagne il va rechauffer. Canapé. Oh yeah. J'avais toutes les pièces du puzzle. Restez maintenant à les assembler pour trouver notre meurtrier. Sur mon bureau, les éléments rapportés de la Nazareth Jones. Sur le bureau de Tyler, les indices trouvés au restaurant. Le nom du meurtrier se trouvait forcément là quelque part. Ouais, sur la moquette. Ah. C'est quoi le truc des empreintes là? Putain, je suis en train de marcher tranquillement et. Ah yo-yo! C'est parfaitement stupide, mais ça me déstresse. Youhou! Ah! Encore. Je suis au taquet, c'est bon. Ah! Oh, mais non! Pfff. Bon, c'est pas grave. Allez, pose-moi ça, ça m'énerve. Téléphone! Ah, c'est dans quel sens? Inspecteur Valenti. Salut Carla, c'est Garrett. Si, Garrett encore. Que je t'ai envoyé les résultats de l'analyse des empreintes sur le stylo. Ça doit déjà être dans ta boîte email. Parfait, merci Garrett. Je vais voir ça tout de suite. La compagnie de taxi a dû t'envoyer la liste des trajets effectués par leur voiture à partir de la rue du restaurant le soir du meurtre. Ça doit être sur le fax dans ton bureau. Merci. Bonne nuit Garrett. Salut Carla. Ok, oui, il a tout filé, gentil. Donc on va commencer par le fax. Mémoriser, c'est quoi? Hein? Ok. Et l'autre, c'est par mail. Merde, pas relevé. Oh, j'avais pas compris relevé comme ça, je crois que c'était relevé des indices. Oh, mais quelle cruche elle a. Non, rien de concordant entre ces deux éléments. Entrez. C'est. Salut Carla. J'ai vu de la lumière dans le bureau. Alors, je suis passé dire bonjour. C'est gentil, Martine. Le bureau est plus calme la nuit. Ce mec est toujours habillé pareil à l'intérieur comme à l'extérieur. Carla, je. Ça fait un moment que ça me travaille. Il fallait que je t'en parle. Voilà. J'ai revu le meurtrier du restaurant. Il a sauvé un gamin qui se noyait à Central Park. Sans lui, le gosse serait mort. J'étais là quand ça s'est passé. C'est stupide. Mais je n'ai pas pu me résoudre à l'arrêter après ça. Je me suis dit qu'il avait mérité une chance. Je suis vraiment désolé.
Ne sois pas trop dur avec toi-même, Martin. J'aurais peut-être bien fait la même chose à ta place. Je serai à côté au moins pendant une heure. Des rapports à taper. Passe me voir si jamais tu veux un peu de compagnie. Même pas il nous dit à quoi il ressemble. Mort. Ah putain, ils sont tous fatigués quoi. Bon alors, fallait faire quoi là? Non, yo-yo, c'est bon. Empreinte. Mémoriser. Sur l'ordi, je crois que j'avais un truc d'empreinte, non? Ah oui, c'est un truc d'empreinte, je crois. Pas d'erreur possible. Les empreintes du restaurant et du stylo appartiennent bien à la même personne. Ah. J'ai une première preuve. Il m'en faudrait une deuxième pour être certaine de la culpabilité de Kane. Oh oh, je sais comment faire. Il faudrait ça. Mémoriser. Et le fax. Faire le lien. Non, ça ne marche pas. Ah, merde. Ah, il y a un cinquième truc. Chier. C'est quoi le cinquième truc à ramasser? Attends, il y a un livre. Ah, c'est le bouquin que j'ai pris ici chez lui. Enfin, non, dans son bureau. Mémoriser. Je vois pas ce que c'est en rapport, mais. Est-ce que j'ai piqué en plus chez lui? Non. La liste des appels téléphoniques depuis le restaurant la nuit du meurtre. Le meurtrier a peut-être appelé un de ses numéros. Opposé. La liste des appels téléphoniques. C'est quoi ça? La liste des destinations des taxis le soir du meurtre. Si le meurtrier a quitté les lieux en taxi, son adresse doit y être. Ah. Non, ça fera pas de lien. Oh, pas de lien. S'il y a un problème de lien entre William Shakespeare et ça. Donc, il y en a un, c'est destination de taxi, il y en a un, c'est les numéros de téléphone. Mémoriser. Merde, j'ai fait reposer. Quel boulet. Ah, tu veux plus choper le papier maintenant? Ah, t'es sérieuse? Texte de petit bout de papier, s'il vous plaît. Oh putain. Ah mais là je l'ai mémorisé. La liste des appels téléphoniques. Oui, ça je sais. Ah. Du meurtre. Le meurtrier a peut-être appelé un de ses numéros. Ah, ces éléments. Non, ça fait mais par contre, je veux bien mais prends les numéros de téléphone. Ah non, arrête de bailler. Moins 20. Tu prends les petits beaux papiers. Tu les mémorises. Et on va passer les coups de téléphone. Allez. Non, on va pas passer les coups de téléphone. Les empreintes de Luca Kane. Putain. J'en ai marre. Il faut faire quoi? Ça m'aidera pas plus. À moins qu'on puisse ouvrir. Le livre de Shakespeare trouvé dans le bureau de Luca Kane à la banque. Super. Surtout là, tu es en train de mettre toutes tes mains crasse, ta main crasseuse dessus pour enlever toutes les empreintes, c'est génial. Ces éléments ne constituent pas. Je sais pas, il y a pas un numéro de téléphone de taxi là-dessus. Ah non, je vais mourir de fatigue. Ah attends.
Il est où le gros? Il est là. Police, arrêtez-vous. Je voulais me dégourdir un peu les jambes. Tout va comme tu veux, Martine? Ça ira beaucoup mieux quand j'aurai terminé cette satanée paperasse. Putain, et quand t'auras fait un bon régime. C'est tout? Faut ma gueule? Je vais rentrer chez moi! Laissez-moi sortir! Pas question de rentrer chez moi maintenant, je ne pourrais pas fermer l'œil. Ah merde, moins 5. Laissez-moi sortir. Ah, je veux plus rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit pas être compliqué, putain. Donc là, on a quoi? Mémoriser. Ça, peut-être le numéro de téléphone. Je sais plus, moi. Non, ces pièces ne se recoupent pas. Bah non, ça se recoupe pas. Ah, attends, y'a un truc au mur. C'est que le portrait ou y'a d'autres trucs? Le portrait robot du meurtrier. Mémoriser, je vais demander à l'autre. Voilà pourquoi je travaille pas dans la police. Oh. Ah d'accord, elle est en train de bailler dans la porte. Mais t'arrêtes de bailler dans la porte, oui. On peut pas sortir. Ok. Génial. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Il y a une vague ressemblance. Pas assez pour constituer une preuve. Attends. Le registre du personnel de la Nazareth Jones. Il y a le nom, la photo et l'adresse personnelle de chaque employé de la banque. Tiens, voilà la fiche de Cain. Et si c'était lui? Ok. Numéro de téléphone peut-être? Avec la banque? Non, ces pièces ne se recoupent. Mais si, elles peuvent se recouper, putain. Fais chier! Putain, il y avait un autre truc là. Ah bah oui, son papier. Super. Oh là 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 là. Mais il faut faire quoi? Bon, bah repose. Je sais pas, mais bon, vas-y. Ah. Désolé pour le téléphone si vous entendez derrière. Petite interlude musicale. J'ai déjà vu cette adresse. Bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un a pris un taxi le soir du meurtre pour aller à l'adresse du domicile de Cain. Ah bah voilà. Pas compliqué pourtant. Cette fois, plus de doute possible. Luca Cain est le meurtrier du restaurant. Il faut que je prévienne Tyler tout de suite. Bon, je vais me s'arrêter sur le téléphone. Tiens, bon, en parlant de téléphone. Ah, j'ai réussi à trouver cet indice.